le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous avons une requête. Je viens par la présente solliciter la prière du pasteur Sauter et de l'Assemblée tout entière en faveur de mes enfants qui sont attaqués par un démon de paludisme, de chikungunya, qui leur provoque des douleurs aux articulations, des maux de tête, vomissements et ampoules à la bouche. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Frère Tony. Salutations, je suis de retour de mon voyage à Mwanda. Je vous transmets les salutations des bien-aimés de Mwanda et particulièrement celles du pasteur Amram et de son assemblée. Frère Mangwedi France et Franck. Nous allons prendre la Bible dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 7. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. Combat le bon combat de la foi. Amen. Saisis la vie éternelle. Amen. À laquelle tu as été appelé. Amen. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Amen. De garder les commandements. Amen. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur Jésus, ce soir ici, nous voici dans ta maison, Père. Tu sais, Seigneur, que nous t'aimons. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Amen. Tu sais, Seigneur, que tu es tout-puissant. Amen. Tu possèdes toutes choses. Amen. Tu sais que ce soir, si toi tu ouvres ton cœur et que tu regardes vers nous, nous pouvons obtenir tout ce dont nous avons besoin. Amen. Et nous savons, Père, que les cieux et la terre ont été faits par toi. Amen. Mais toi qui as créé les cieux et la terre, qui as créé tout l'univers, Amen. Il t'a plu de créer un homme à ton image. Amen. Et cet homme que tu as créé est ton fils, Seigneur. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est tombé, toi tu as pris une décision de te dévêtir de toute la gloire, de te dépouiller de toute la puissance. Amen. Et de venir sur la terre pour payer le prix de son rachat. Amen. Et pour le racheter, il a fallu une vie supérieure. Amen. Une vie qui n'avait pas de péché. Amen. Et la Bible nous dit que personne n'était digne. Amen. Ni dans le ciel, ni sur la terre. Amen. Une seule personne a été trouvée digne. Amen. C'est toi, Jésus-Christ. Amen. Ainsi tu as payé le prix pour que ton fils soit ramené vers toi. Amen. Et nous voici ce soir, Père. Et nous sommes des attributs, Seigneur, de cette rédemption. C'est pour cela, ce soir, nous voulons que tu nous regardes ici, Seigneur, en nous accordant une grâce spéciale. Parce que nous sommes les résultats, Seigneur,
de la vie que tu as donnée au calvaire. Si nous ne pouvons pas vivre cette vie, viens en nous afin que toi-même tu la manifestes. Amen. Ce soir, nous avons une requête ici. Les enfants de Frère Franck sont malades. Et nous savons, Père, que si toi tu es dans ta main ce soir, pendant que nous prions, ces enfants seront guéris. Amen. Notre désir est que tu les guérisses, Père. Amen. Guéris aussi ceux qui sont présentement ici, Amen. Qui ne se sentent pas bien dans leur corps. Amen. Je remets la réunion entre tes mains. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir? Nous remercions le Seigneur ce soir parce qu'il a exaucé notre prière de dimanche. Nous avons prié pour les frères qui avaient des troubles de mémoire. Et j'ai parlé avec lui hier. Il m'a dit qu'il se porte maintenant bien. Amen. Alors que sa grande sœur avait dit que cela est devenu pire. Et je lui disais, quand ça devient pire, c'est un grand signe que Dieu l'a guéri. Amen. Nous devons faire confiance en Dieu. Amen. Nous devons lui faire confiance. Ce soir, je voudrais apporter un message que j'ai intitulé « Le ministère de Frère Branham et l'argent ». Amen. 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 Le ministère de Frère Branham et l'argent. Je voudrais d'abord vous dire ce que la Bible a dit au sujet de ce que fera l'argent dans les derniers jours. Quelle sera la place de l'argent dans les derniers jours? Nous prenons les livres de Timothée, dans Timothée, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous croyons que personne n'a le droit de la changer. Amen. 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 Nous avons lu avec vous ici que la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10 « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Amen. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous croyez en ce que la Bible dit? Amen. Amen. Et dans 2 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul écrit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est une prophétie. Amen. Amen. Qui devrait s'accomplir dans les derniers jours. Et je crois que nous sommes dans les derniers jours. Amen. N'est-ce pas? Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Amen. Traîtres. Amen. Emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Amen. Ayant l'apparence de la piété. Vous connaissez ce que c'est la piété? Amen. On a dit la piété signifie être comme Dieu. Amen. Ces hommes du dernier jour, l'une des caractéristiques principales qu'ils ont, c'est aimer l'argent. Amen. Amen. Et comme ils vont aimer de l'argent, lorsque vous avez l'argent, vous l'aimez,
et vous allez faire tout ce qu'il faut pour que vous puissiez en posséder. Et dès que vous avez cet argent-là, vous devenez blasphémateur. Amen. 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 Vous blasphémez contre Dieu. Amen. Et vous devenez arrogant, orgueilleux. Mais vous donnez l'apparence de la piété, mais entre-temps, vous reniez ce qui fait la force de la piété. Amen. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la pire parole. Amen. Amen. Remarquez ici, bien mes frères, que l'apôtre Paul a presque donné des prophéties concernant les temps de la fin. Et vous devez faire aussi attention au temps de la fin, il y a quelque chose qui va surgir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous savez que Frère Branham, lorsqu'il est sorti de la vision que Dieu lui avait donnée concernant la construction du Branham Tabernacle, lorsque Dieu l'a placé plus haut dans les ciels, clair et blé, et qu'il lui a montré un grand verger où il y avait les arbres de tous les côtés, et Dieu lui a dit, plante dans les vases qui sont vides. Et il a arraché une branche de ce côté, l'autre branche de l'autre, il a planté. Et ce qu'il a planté a grandi vite jusqu'à produire les fruits. Et les fruits sont tombés aussi, Frère Branham en a mangé. Il dit c'était délicieux. Amen. Amen. Alors, le Seigneur lui dit, quand tu sortiras de cette vision, lis de Timothée chapitre 4. Amen. Amen. Quand tu sortiras de la vision, lis de Timothée chapitre 4. Et je suis dans 2 Timothée chapitre 4. Qu'est-ce que cela nous dit? À partir du verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Amen. Amen. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Car il viendra un temps. Vous êtes avec moi? Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Amen. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, amen. Amen. Ils se donneront une foule, non pas d'évangélistes. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Vous savez, dans les cinq ministères, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs. Amen. Amen. Il y a les apôtres, il y a les prophètes et il y a les docteurs. Mais la prophétie ici est claire. Que quand ces gens-là ne supporteront plus la saine doctrine, yes. Amen. Amen. Qui est la vérité, ils se donneront une foule de docteurs. Amen. Ce ne sont pas des docteurs, ces gens-là. Amen. 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 Mais c'est les oreilles qui démangent. Amen. Amen. Qui veulent entendre des choses agréables. Qui se craignent des docteurs. Amen. Mais ce ne sont pas des docteurs, c'est des faux. Amen. 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 Parce que pour qu'ils deviennent docteurs, ils doivent d'abord rejeter la saine doctrine. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je me sens très bien. Amen. 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 Et ces prophéties concernent les derniers jours. Amen. Mes frères, remarquez ici. Amen.
Il viendra d'abord un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Qu'est-ce que Frère Branham dit de la saine doctrine? Frère Branham dit la saine doctrine. Amen. C'est ce message. Amen. La saine doctrine, c'est ce message. Yes. Mais un temps viendra, selon l'apôtre Paul, que les hommes ne supporteront plus le message de l'air. Amen. Le message de William Branham. Amen. Et quand ils ne vont plus supporter le message de William Branham, qu'est-ce que nous allons constater? Amen. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Amen. Parce que l'évangile, quand il vient, il amène les gens à la repentance. Amen. On ne vient pas se repentir, amen, avec un sentiment agréable. On vient se repentir avec douleur, avec peine. C'est la naissance. Amen. Je ne vois pas une mère en train de donner naissance à un bébé et elle est en train de rire. Voilà. Ce n'est pas possible. Amen. Elle ne peut pas rire. Amen. 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 La naissance de l'enfant l'oblige à la douleur. Amen. 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 Parce qu'elle est en train d'apporter une nouvelle vie sur la terre. Amen. Et il faut qu'elle en souffre. Amen. Et comme la naissance aussi naturelle fait souffrir la femme, et la femme étant le type de l'Église, amen, la naissance spirituelle, amen, la nouvelle naissance, amen, fait souffrir aussi les croyants. Amen. Parce qu'il doit se débarrasser. Amen. 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 Mais nous voyons que ces gens ici sont des faux croyants. Amen. Parce que la démangeaison qu'ils ont, amen, amen, ils veulent entendre des choses agréables. Amen. Des choses qui ne les amèneront pas à la nouvelle naissance. Amen. Parce que la nouvelle naissance, il y a la douleur de la naissance. Amen. Mais ça, c'est des choses qui frappent à l'oreille. Amen. 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 Qui vous fait remplir d'espoir. Amen. 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 Et si je viens ici pour vous dire, je prophétise, bien mes frères, chaque année, chacun de vous aura une voiture. C'est agréable aux oreilles. Yeah. Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Mais lorsque j'apporte l'évangile pour dire, frère, répentez-vous. Laissez la convoitise. Amen. Amen. Celui qui est tombé, tout ça cette année ne doit plus tomber. Amen. Cela amène la tristesse. Amen. Cela amène les gens à chercher Dieu. Amen. Mais ces hommes du temps de la fin, amen, ils vont d'abord rejeter la saine doctrine. Amen. Et la saine doctrine est le message de l'air. Amen. Et dès que vous rejetez la saine doctrine, amen, et nous avons l'apparition des faux docteurs. Amen. 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 Ça, c'est la vérité, frère. Amen. Amen. Ce ne sont pas des faux pasteurs qui vont venir, des faux docteurs, parce qu'un docteur est un enseignant de la parole. Amen. Mais ceux-là qui apparaissent, ils rejettent d'abord la saine doctrine, amen, et ils vont inventer des choses qui, amen, ne sont pas la saine doctrine. Amen. 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 Écoutez ce qu'il dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils s'étonneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen. Détourneront l'oreille de la vérité, amen, et se tourneront vers les fables. Amen. 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 Écoutez ce qu'il dit à Timothée. Alléluia. Mais toi, amen. 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 Frère, j'aimerais être Timothée. Amen. 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 J'ai prêché mot à mot comme Paul. Amen. Amen. Si Frère Manon m'a prêché mot à mot comme Paul, donc dans les ministères de Frère Manon, il y a des ministres aussi qui seront comme Timothée. Amen. 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 Mais il y aura aussi des ministres qui seront comme Demas. Yes. Amen. 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 Vous savez que Demas aimait beaucoup les plaisirs du monde. Amen. Demas était un homme riche, d'une famille riche. Amen. Il n'a pas pu supporter la vie d'un ministre qui n'avait pas suffisamment d'argent, amen,
mais qui disait qu'il avait un grand ministère à tel point que même un ange ne pouvait pas le contredire. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Notez très bien que nous parlons du ministère des frères Branham et large. Amen. Amen. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Amen. Supporte les souffrances. Amen. 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 Ça, c'est Timothée. Ça, Paul lui dit, Timothée, ne pense pas, amen, amen, que tu seras millionnaire. Amen. Amen. Attention avec cet évangile. Amen. Lorsque tu es dans la saine doctrine, amen, ne mets pas en tête que tu seras millionnaire. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Amen. 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 Dans les derniers jours, pour s'amasser des millions, il faut beaucoup de mafias. Amen. Mais fais attention. Amen. Prêche l'évangile. Amen. Amen. Si tu veux t'amasser des millions, Timothée, tu abandonneras l'église. Amen. Et tu iras passer le temps à Dubaï. Amen. 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 Et tu auras de l'argent en abandonnant l'œuvre de Dieu. Amen. Mais toi, reste sobre et prêche la parole. Amen. Correct. Amen. 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 Écoutez. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. 2 Timothée chapitre 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ Amen. Qui donne cela à Frère Branham Amen. Par la vision. Amen. Ça, c'est les caractéristiques d'un véritable ministère en ces derniers jours. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec Amen. Vous? Amen. 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 Je vais prendre ici Proverbe chapitre 3 pour voir qu'est-ce que les hommes de Dieu ont dit au sujet de l'argent. Frère, vous savez, il y a des choses que nous allons voir. Amen. 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 Et j'ai vu Frère Branham même lorsque Dieu lui a donné la vision de la tente. Dieu lui a donné la vision de la tente et Dieu lui a montré beaucoup de choses. Je vais lire ça. Et dans cette vision-là, Dieu a montré à Frère Branham aussi qu'avant que les troisièmes poules, amen, amen, avant que les troisièmes poules ne se manifestent, est-ce que je pourrais trouver ça ici? Je prends d'abord Proverbe. Proverbe 3, à partir du verset 13. Heureux est l'homme qui a trouvé la sagesse. Amen. Et l'homme qui possède l'intelligence. Amen. Dites amen. Amen. Heureux est l'homme qui a trouvé la sagesse. Amen. Amen. Et l'homme qui possède l'intelligence. Amen. Car les gains qu'elle procure, donc la sagesse, Amen, est préférable à celui de l'argent. Amen. Alléluia. Amen. 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 Car les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et les profits qu'on en tire vont mieux que l'or. Amen. Vous dites amen. Amen. Lorsque quelqu'un trouve la sagesse, il a un gain qu'il retire de cette sagesse. Cela dépasse de l'argent et l'or. Amen. Elle est plus précieuse que les perles. Amen. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Oh frère, dites amen. Amen. Dans sa droite est une longue vie. Amen. Amen. Donc la sagesse se tient là-bas. À la droite de la sagesse, il y a une longue vie. Amen. Et la longue vie, c'est la vie éternelle. Amen. Qui se trouve à la droite de la sagesse. Amen. C'est pour ça qu'il est préférable de trouver la sagesse. Amen. 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 Et le prophète dit ici, dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Amen. Amen. Pourquoi dois-je courir derrière la richesse? Je n'en ai pas besoin. Amen. Ce que moi je dois chercher, c'est la sagesse. Amen. Et vous savez, Frère Branham dit, amen, amen, que depuis les temps bibliques, depuis les temps de Salomon, lorsque Dieu dit à un homme, demande tout ce que tu veux,
Dieu a traversé les âges de l'Église, les grands hommes et tout ça sur la terre, mais c'est au temps de la fin qu'il vient dire la même chose à une jeune femme. Amen. Et il y a cette femme qui a tout ce que tu veux. Alléluia. Et cela te sera donné. Amen. Je suis sûr que si cette femme-là avait l'esprit de prédicateur rétrograde, oh là là. Amen. De ces derniers jours, oui. Qui aime l'argent, amen. Qui se présente comme des millionnaires, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est l'évangile authentique que je te dis. Amen. Et si cette femme ici, Atima, qui était comme ce prédicateur, elle demanderait des milliards. Amen. Mais elle n'en a pas fait. Amen. Et vous savez pourquoi elle n'en a pas fait? Parce que Dieu avait déjà eu un homme. Amen. Et le même esprit qui était dans cet homme, amen. Et le même esprit qui était dans cette femme. Amen. Qui était cet homme-là? William Branham lui était Salomon. Amen. Dieu lui posa la question, demande tout ce que tu veux. Amen. Salomon n'était pas un prédicateur rétrograde, amen. Comme le prédicateur de Laodicée. Amen. En ces derniers jours, amen. Il avait l'occasion d'avoir des milliards et des milliards. Amen. Mais il dit, Dieu, je veux la sagesse. Amen. Dieu lui dit, tu as demandé quelque chose de grand. Dans la sagesse, amen. À sa droite se trouve la longue vie, amen. À sa gauche se trouve la gloire, amen. Et les richesses. De l'attente. Amen. Alléluia. Dans la vision de l'attente, avant que Dieu lui dise que je vais te rencontrer dans l'attente, Dieu lui montra qu'avant le troisième poule, il y aura des prédicateurs. Frère Madame dit que c'était un frère. Amen. Qui mettront l'accent sur les offrandes. Amen. Et sur l'argent. Amen. 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 Et lorsque nous verrons le prédicateur mettre l'accent sur l'argent, amen. Et sur les offrandes, amen. Attention, le troisième poule bientôt va s'accomplir. Amen. Je vais vous lire la vision de Frère Branham. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Frère Branham dit, dans le message, pourquoi les gens sont si ballottés. Amen. C'est un bon message. Pourquoi ils sont si ballottés. Donc ils sont là-bas comme un roseau agité par les vents. C'est ça. Amen. Amen. Telle doctrine, il part. Telle doctrine, il part. Amen. Amen. Paragraphe 27. J'ai dit, qui sont-ils? Ils firent alors demi-tour et s'en allèrent. Voilà. Je commence un peu ici. Verset 25. Maintenant, vous qui me connaissez, vous savez que je ne suis pas fanatique. Je ne dis pas ces choses si elles ne sont pas la vérité. Amen. C'est vrai. J'ai vu cela. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alors, j'ai vu frère Argan Bright, qui s'était né là, et je suis allé vers lui. Il a dit, frère Bill, dit-il, nous avons distribué toutes les cartes de prière et tout est maintenant prêt pour la réunion. Amen. Amen. Frère Branham raconte un peu plus haut comment il avait promis au Seigneur qu'il ne faudra plus qu'il puisse, non, il ne faudra pas qu'il puisse mendier de l'argent en sollicitant de l'argent à l'église. Mais pour couvrir ces réunions, il respectera les principes bibliques en faisant passer uniquement la corbeille. Amen. Amen. Il ne veut pas solliciter de l'argent, venez donner de l'argent, faites ceci et cela. Il ne veut pas ça. Mais à un moment donné, il n'avait pas suffisamment de l'argent et il a décidé de retourner chez lui à Jeffersonville et de s'asseoir et de chercher un travail. Amen. 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 Et Billy Paul lui a dit, papa, je crois que tu fais une erreur. Je me souviens, il y a un endroit dans la Bible où Paul a dit que malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Frère Branham a dit, mon fils, je n'ai pas refusé de prêcher l'évangile. Je prêcherai l'évangile, mais je ne tiendrai pas des réunions et tout ça dans le monde partout parce que cela demande beaucoup d'argent. Et j'ai dit à Dieu, s'il veut que je le fasse, il faut qu'il me donne de l'argent. Amen. 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 Et il a dit à Billy Paul, j'ai promis cela à Dieu et je dois garder ma promesse. Amen. Amen. Et maintenant, quand il est retourné, c'est là où Dieu va lui donner la vision. Et il dit ceci. Mais je suis allé à la maison, fatigué, là, indisposé, en larmes.
Je suis allé me coucher ce soir. Et là, lorsque ma femme se fit endormie, je suis allé dans une autre pièce. Je me suis agenouillé. Et j'ai dit, bien-aimé Jésus, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais voici à nouveau à mon point de départ. Je pense que j'ai échoué. Environ 2 heures plus tard, il m'est apparu et il m'a montré en vision une vie panoramique de gens comme je n'en avais jamais vu. Amen. Dans la vision, j'ai parlé à ma femme. Amen. Le Seigneur nous donne une vision, il voit beaucoup de gens où il devrait tenir une réunion et c'est lui qui parle. Maintenant, vous qui me connaissez, vous savez que je ne suis pas fanatique. Je ne dis pas ces choses si elles ne sont pas la vérité. Amen. C'est vrai, j'ai vu cela. Alors j'ai vu frère Argan Bright qui se tenait là et je suis allé vers lui. Il a dit, frère Billy, dit-il, nous avons distribué toutes les cartes de prière et tout est maintenant prêt pour la réunion. Nous avons trouvé le moyen de te faire entrer et sortir. J'ai dit, merci frère Argan Bright. Je m'avançais afin de voir davantage de frères. Et il y avait un autre frère en train de prêcher. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Il y avait un autre frère en train de prêcher. J'ai dit, qui est-ce? Il dit, ils l'ont mis là-haut. J'ai dit, qui sont-ils? Ils firent alors demi-tour et s'en allèrent. L'homme fit, renvoya l'assistance et les laissa tous partir. Et j'ai dit, oh, il ne veut pas faire cela parce qu'il n'y a pas eu l'appel à l'autel. Amen. 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 C'est ça. Oh, dit-il. Un autre individu prit la parole et dit, amen. 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 Nous avons déjà récolté l'offrande. Oh là là. Vous comprenez la vision? Amen. 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 Alors que frère Branham doit venir tenir la réunion, mais un autre frère le précède. Et ce frère-là, amen. Tout ce qui l'intéressait, c'est de récolter l'argent. Dès qu'il a récolté son argent et tout ça, les hommes ne lui disent rien. Il a dit, partez. Frère Branham dit, mais comment? Je n'ai même pas vu les gens pleurer à l'hôtel. Mais qu'est-ce qui se passe? Un autre individu qui faisait partie. Amen. 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 Vient dire, il n'y a pas de problème, l'argent est déjà là. Vraiment. Amen. Amen. Écoutez ce que dit Frère Branham. Oh là là. Amen. Amen. Un autre individu prit la parole et dit, nous avons déjà récolté l'offrande. J'ai dit, depuis quand pour Christ l'offrande est-elle plus importante que les âmes? Amen. Vous voyez? Amen. 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 Qu'est-ce qui est plus important pour Christ que tout ça? Amen. Ce sont les âmes. Amen. Ce n'est pas l'offrande. Amen. Et je me mis à jeter ma ligne dans l'eau. Amen. Amen. J'ai tiré et chacun commençait à se réjouir en disant, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je devins tout excité et donner la foi suivante une bonne secousse et je tirais les poissons et les restes hors de l'eau. Et il se trouvait que c'était un petit poisson de rien du tout. Il avait juste la dimension de la part. Ma ligne était toute emmêlée et j'étais en train de la ranger. Lorsque l'homme qui parlait derrière moi vint se placer devant moi, vêtu de vêtements palestiniens, avec un turban sur la tête. Il avait une robe blanche. Il dit, frère Branham, c'est fini. Amen. 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 J'ai dit, je sais que je n'ai pas fait juste. Hein. J'ai donné une secousse alors que je n'aurais pas dû. Il dit, n'emmêle pas ta ligne en ce temps-ci. Amen. J'ai dit, bien, je vais la dérouler aussi droit que possible. Je serai très prudent. Il dit, bon, la première fois que je t'ai parlé, tu imposais les mains aux gens et leur disais ce qui n'allait pas. Au second poule, eh bien, tu connaissais les secrets de leur cœur. Et je fis de toi un voyant aux yeux des gens. Mais tu essayais toujours de l'expliquer. Tu n'aurais pas dû faire cela. Il dit, tu en as fait une démonstration publique. J'ai dit, je suis vraiment désolé. Ainsi, il m'amena et je vis une immense tente. Amen. Je n'avais jamais vu de tente pareille. Il était rempli et entouré de gens. Je sortis vers. C'était comme si je me tenais au-dessus des gens, regardant en bas.
où je venais de faire un appel à l'autel. Amen. Et des centaines de personnes pleuraient. Amen. Et se réjouissaient après avoir accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Amen. J'ai regardé, j'ai entendu un homme se lever et dire, appelez la ligne de prière. Et les gens commencèrent à se mettre en file de ce côté ici sur ma gauche, tandis que j'ai regardé vers l'estrade. Et la ligne de prière se forma jusqu'à dans la rue. J'ai remarqué à ma gauche, ce qui aurait été ma droite si j'avais été sur l'estrade. Yes. Une petite construction en bois. Et je vis cette lumière que l'on a tous en photo. Amen. Et vous savez qui est toujours dans les réunions. Amen. Je vis donc cette lumière me quitter, Amen. Aller vers cette construction, Amen. Et y entrer. Amen. Et une voix me dit, Amen. Je te rencontrerai là-dedans. Amen. Ça sera le troisième pôle. Amen. Je dis pourquoi. Il dit, eh bien, ça ne sera plus une démonstration publique. Amen. Comme les autres. Amen. Et je reviens à moi-même. Amen. 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 Et Frère Branham dit que le troisième pôle dont je vous ai parlé, que j'attendais, est déjà là. Amen. Il est arrivé. Amen. Il dit, j'en ai fait la démonstration ici. Amen. Il ne sera pas, amen, amen, démontré en public. Amen. Mais vous en savez ce que c'est. Amen. Il dit, c'est l'ouverture de la parole. Amen. 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 Il dit, le troisième poule ne sera pas imité. Amen. Il dit, le premier poule a été imité. Amen. Le deuxième poule a été imité. Amen. Mais le troisième poule ne sera pas imité. Amen. Et il dit, amen. Amen. Le troisième poule est déjà là. Amen. Mais il viendra. Amen. 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 Et sera utilisé dans toute sa puissance par l'Église. Amen. Et vous verrez. Amen. Amen. Dans l'Église, ce que vous avez vu, Amen. Potentiellement, Amen. Temporairement, Amen. Dans la gerbe agitée, Amen. Dans le messager, Amen. William Branham. Amen. Et moi, en lisant la vision de la tente, et je vois qu'avant que cela ne s'accomplisse, Amen. Il y a des frères dans le message, Amen. 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 Qui vont commencer à tenir des grandes réunions. Amen. Cet homme était avec une grande réunion, Amen. Mais qui insistait sur les offrandes. Amen. 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 Convention, des conventions vides qui concernent l'argent. Amen. 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 Mes frères, la séduction est grande. Amen. Amen. Je n'ai jamais été dans une convention où on présente un prédicateur comme étant un millionnaire. Tel frère et tout ça, c'est un millionnaire. L'autre frère est un millionnaire. Lui-là est un millionnaire. Moi-même ici, je suis un millionnaire. Et tout ça, et les gens sont tous. Vous allez devenir des millionnaires. Nous allons prendre ma vie dans la vision. Amen. Amen. Il dit, où est l'appel à l'autel? Où est la... Il dit, nous avons déjà pris l'offrande. Amen. 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 Tout est déjà récolté. Amen. Amen. Mais bien, mes frères, savez-vous ce que William Branham dit sur l'évangile? Amen. Amen. Quel est le but pour lequel on prêche l'évangile? L'évangile a des buts. Amen. Amen. Un, le salut des âmes. Amen. 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 Deux, la guérison divine. Amen. C'est ce que Branham a dit. Amen. L'évangile n'est pas là pour récolter l'argent. Amen. 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 Quand on prêche une parole, il faut toucher les âmes. Amen. De façon qu'ils apportent, amen, amen, leur cœur à Christ. Amen. Qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Amen. 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 Ouais, cela m'a marqué lorsque j'ai vu cela. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Nous avons dit des choses, mais les gens ne savent pas l'appliquer. Et nous sommes en train de voir ces choses arriver aujourd'hui. Vraiment. Frère Branham dit ceci. Le message, la foi et l'assurance. Paragraphe 5. Mais les amis, avec moi, ce n'est pas l'argent. Amen. Je voudrais même ne jamais avoir à y penser. Amen. Et c'est pourquoi plusieurs d'entre vous ici m'avaient offert vos offrandes, mais je ne les accepte pas.
Ce n'est pas vos finances que je désire, mais votre confiance. Amen. Je suis ici pour votre guérison. Amen. Amen. William Branham montre ici que lui, en prêchant l'évangile, l'objectif, ce n'est pas de gagner l'argent. Amen. Un prédicateur m'a appelé, il m'a dit, pasteur Souté, il y a un docteur de la vie, un soi-disant docteur, entre guillemets. Parce que Dieu reconnaît même qu'ils ne sont pas des docteurs. Amen. Et que ce sont les désirs des gens qui les ont formés comme docteurs. Amen. Oui. Amen. Amen. Il dit à un prédicateur, oh, mais... tu prêches bien, mon jeune frère, et tout ça et tout. Mais tu es pauvre et tout ça. Cherche l'argent. Voilà. C'est malheureux, frère. Voilà. Amen. 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 C'est malheureux. Nous allons voir ça. Quels sont ces esprits-là et tout ça. Vous savez, hein, prendre l'argent de l'église, chercher l'argent et tout ça, mettre tout sur l'accent sur l'argent. Hein? Ne dormez pas, frère. Amen. Amen. C'est ce que j'ai dit. Amen. Quand il y a l'accent sur l'argent, sur l'argent, sur l'argent, vous prenez le seau. Amen. Vous vous trouvez tout ça, que vous êtes dans le troisième seau. Amen. Amen. Oui. Et le troisième seau précède le dernier seau qui amène la mort. Amen. 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 Quand vous rentrez dans cette phase-là, après vous entrez dans la mort. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Écoutez. Ensuite, Israël à la mer. Ensuite, en continuant après cela, vient Balaam, le prophète mercenaire. Amen. Il descend pour arrêter Israël. Amen. Oh là là, nous aborderons cela demain soir. Comment ce gaillard et une mille miouettes a dû lui parler et le réprimander. Amen. Amen. Un prédicateur en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Avec l'esprit dirigé vers l'argent. Amen. 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 Un prédicateur en dehors de la volonté de Dieu. Avec l'esprit dirigé vers Amen. L'argent. Amen. Il est allé là-bas. Et une mille devait le réprimander là-bas. Une mille, miouette. Si Dieu peut parler par une mille miouettes, alors bien sûr qu'il le peut par un homme. Oui, monsieur. Amen. Dieu a réprimandé pendant les âges de l'église. Amen. Dans l'âge de Pergame et presque tous les âges, même l'âge de l'Odyssée. C'est que donc, c'est dont je suis contre toi. Amen. Tu as des hommes au milieu de toi attachés à la doctrine de Balaam. Amen. Amen. Ce que j'ai contre vous, les prédicateurs qui ont reçu le message de Frère Branham, Amen. Parmi nous les prédicateurs Amen. Qui avons reçu le message de Frère Branham, Amen. Il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam. Amen. Et la doctrine de Balaam, Amen, Amen. C'est prendre l'argent Amen. Et boycotter la parole du Seigneur. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. Comprenez-vous qu'un pasteur peut demander à une sœur, donne-moi 1 million et tout ça, et je vais te trouver le mariage. Amen. Authentique, ici à l'église. Amen. Un autre demande à l'église et tout ça, priez, 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 mettez votre main ici et tout ça, et dites, Seigneur, remplis nos âmes d'argent. Remplis nos âmes d'argent. Mais bien, mes frères. Amen. Amen. Mais bien, mes frères. Oui. Amen. 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 Faites attention. Amen. 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 Tous les prédicateurs ne sont pas de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Discernez l'esprit des prédicateurs. Amen. 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 Je ne vois pas quelle est cette inspiration qui me viendra. Pour demander à l'église qu'ils demandent que leurs âmes soient remplies d'argent. C'est grave et c'est grave. Amen. C'est grave et c'est grave. Amen. 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 L'esprit de Judas Iscariote Amen. Est venu en double portion Amen. Au camp de la Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Je demanderai à Frère Franck Jonglet de tout faire pour qu'on ait un site et tout ça, pour que ces choses soient placées là-bas. Amen. 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 S'ils n'ont pas le temps de venir ici, qu'ils les gardent ça. Amen. Amen. Bien, mes frères. Amen. Nous ne pouvons pas faire honte à ce message. Amen. Le nom de William Branham, c'est un nom glorieux. Amen. Moi, je me gênerais de faire un acte ignoble pour que les gens disent, regarde, c'est un pasteur branhamiste. Amen. J'aimerais l'opprobre tombe sur moi, amen, mais pas sur le prophète de Dieu. Amen. Dieu a dit à William Branham, de tous les prophètes qui sont venus sur la terre, depuis un homme, jusqu'à ce jour, tu les dépasses. Amen. Amen. Déclarez-vous ouvertement que vous êtes des éveillés, amen, des églises dénominationnelles, et laissez le message à ceux qui croient le message. Votre manière de chanter est dénominationnelle. Votre manière de prêcher est dénominationnelle. Doit engendrer un chien, un lion doit engendrer un lion. Amen. Et William Branham, en tant que prophète, doit engendrer des prédicateurs qui ont l'esprit comme Branham. Amen. William Branham dit, si l'esprit de Beethoven était en moi, je chanterais comme Beethoven. Vous êtes avec moi? Il dit, si l'esprit de Christ est en moi, je serai comme Christ. Amen. Et si l'esprit de William Branham, amen, est en moi, amen, je prêcherai comme Branham, amen, je chanterai comme Branham. Amen. 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 Un prédicateur du message qui prêche et il revient et tout ça. Mais il vient de tout ça et tout ça. Ça, c'est des bâtards. Mon assemblée, amen, c'est Branham Tabernacle. Amen. Amen. Frère Branham dit que lorsque le prédicateur est à la chair, amen, il n'y a pas de prophétie dans l'église. Personne ne peut donner la prophétie quand le pasteur est à la chair. Amen. Et que si quelqu'un se dit prophète, qu'il sache que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alléluia. Amen. Amen. Mais un prédicateur, il est en train de prêcher et tout ça, une sœur prophétise. Oh, oh, le prédicateur quitte là-bas. Oh, il là vient là tourner le micro. Oh, là là. On la touche ici et là. Oh, bra, 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 bra. Après, il finit lui-même et dit, oh Dieu, merci Seigneur, merci Seigneur. Mes frères, l'enlèvement, ce n'est pas pour n'importe qui. Je vous dis la vérité. Attendons seulement la fin. Ils savent qu'ils ne vont pas y entrer. C'est la raison pour laquelle ils disent qu'ils sont dans l'ère millénaire. Ils n'entreront pas. Amen. Amen. William Branham dit, dans le millénaire, il n'y aura pas d'hiver. Amen. Amen. Dans le millénium, personne ne tombera malade. Amen. Branham croyait en un millénium physique. Amen. Et je crois que chaque chose, alléluia, a des dimensions. Alléluia. Je crois que nous sommes dans le millénium, mais nous allons y aller physiquement. Amen. Amen. Que ce sont des docteurs. Oh, nous sommes dans le millénium. Quel millénium que vous attendez, etc. Mais vous n'avez rien de docteur. Amen. Amen. Faites attention avec le prédicateur. Amen. 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 Faites attention avec tout ce qu'ils sont en train de faire comme réunion. Amen. Lorsque j'ai vu la vision de William Branham, yes, les grandes réunions, c'est des conventions. Amen. Des conventions vides. Amen. Et vous m'appelez pour venir, je dis, laissez-moi la chair. Amen. Je vais changer la convention. Amen. Amen. C'est la vérité, frère. Amen.
Moi, je n'ai pas foi aux yeux. Et on ne corrompt pas un vrai ministre. Amen. Mes frères, c'est un temps mauvais. Amen. Surtout ici au Gabon. Il y a trop d'aventuriers qui se disent prédicateurs. Frères, gardez vos âmes. Amen. Paul a dit que je n'aimerais pas prêcher aux autres pour que moi, je sois rejeté à la fin. Tel que vous me voyez ici, bien mes frères, je crois en la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas parce que je suis prédicateur que j'irai au ciel. Non, c'est parce que je vis la parole que j'irai au ciel. Amen. Des prédicateurs légers, des prédicateurs, même leur manière de se vêtir, leur manière de s'habiller, leur manière de parler. Frère, le message a un langage. Amen. Le message a un langage. Le message, amen. Le message a une empreinte digitale. Et les empreintes digitales, on ne peut pas les triquer. Tu t'es caché derrière les brochures. Amen. Ta nature va se manifester. Amen. Tu ne peux pas te cacher. Amen. 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 Oh, le prédicateur me dit vraiment, on se plaint. Tout le monde se plaint. Pourquoi? Et tout ça, il ne vient pas et tout ça. Mais faites-le venir et dites-lui, parle aussi. Amen. Je ne suis pas allé pour aller m'asseoir. Amen. Amen. Je dois parler. Amen. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire amen. Que chaque convention, si on me dit que tu vas parler, j'y vais. Amen. 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 Mais si je ne veux pas parler, qui je vais écouter là? Vraiment. Des gens qui viennent et tout ça, faire les gestes et tout ça, à la chair. Amen. Vous parlez tout ça, les frères, vous savez, tout ça. J'ai une nouvelle voiture et tout ça, vous savez. Moi, j'achète mes voitures neuves et tout ça. Mon parc, l'année prochaine, j'achèterai l'avion et tout ça. Qui tu y es? L'avion, c'est quoi devant le Saint-Esprit? Amen. 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 Ça, c'est des petits esprits. Amen. Des esprits des Africains. Amen. 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 J'ai été avec des millionnaires aux États-Unis. Amen. Tu ne sauras même pas que cet homme est un millionnaire. Amen. Le frère Eddie, il transportait mon sac. Amen. Mais c'est un millionnaire. Amen. Il a même des hélicos comme un chef d'État. Amen. Mais il n'a jamais fait mention, même à la chair, que j'ai ça. Des esprits traditionnels, des Africains, qu'ils amènent à la chair. Amen. Des parvenus. Amen. Amen. Parce que tu savais que si tu n'es pas prédicateur, tu n'aurais jamais une voiture. Amen. Amen. Et beaucoup sont des échoués même. Amen. Même à l'université. Amen. Le temps de blaguer avec le message est fini. Amen. 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 Mes frères, moi je vous aime. Amen. J'aimerais vous dire la vérité. Amen. Vous comprenez? Amen. Je ne suis contre personne. Amen. Je suis contre le système. Amen. 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 Un pasteur prêche, il s'est dit docteur. Il dit pourquoi prier pour que Dieu te donne une serre? Vous n'avez pas besoin de prier et tout ça. Nous sommes dans les millénaires, c'est le pasteur qui dit frère, prends cette serre. Oh, et les gens, alléluia, alléluia, alléluia. L'enfer vous attend. Amen. Si vous ne vous repentez pas, amen. Le grand Branham a dit tu dois prier pour que Dieu te révèle ta femme. Amen. Amen. Oh là là. Amen. La Bible dit amen, amen. Que l'amour de l'argent, c'est la racine du mal. C'est ce que la Bible dit, non? Amen. Un prédicateur déclare. Amen. Amen. Ici à Libreville, amen. Dans leur convention, amen. Il dit c'est une mauvaise traduction. La vraie traduction, le manque de l'argent est la racine de tout le monde. Oh. Mes frères, c'est grave. Amen. Vous savez bien, mes frères, il y a un problème au Gabon.
Amen. Amen. Et moi, je connais le problème là est arrivé depuis qu'ils ont rejeté le Fils de l'homme. Amen. 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 Depuis qu'ils ont rejeté le Fils de l'homme. Amen. Ils sont venus aller récupérer le Fils de l'homme dans la poubelle. Mais le rejet, quand c'est fait, c'est fait. Amen. Et vous êtes marqués. Amen. Et il n'y a plus moyen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bien-aimés frères, je veux dire une chose. Amen. Amen. Tous ces prédicateurs-là qui prêchent l'argent, qui se vantent que ce sont des millionnaires, le pape les jugera. Amen. Amen. Parce que les Écritures déclarent que tout l'argent du monde se trouve avec les papes. Amen. Et les papes n'ont jamais mentionné ça à la chair. Amen. Il fait ses messes sans parler de l'argent. Amen. 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 Les papes se lèvera contre les prédicateurs rétrogrades. Amen. Et les condamnera. Amen. 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 Vous passez un tel message si j'étais à la chair et tout ça, quelqu'un devrait venir pour me dire, bon, le temps est fini. Le temps est fini, le temps est fini. Amen. Amen. Dans très peu de temps, quelque chose va se passer. Amen. 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 Je vais vous donner une écriture. Et moi, je crois que l'écriture a toujours double ou triple application. Amen. 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 Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, amen, établi dans les lieux saints. Amen. Quel est le lieu saint aujourd'hui? Le message. C'est le message. Amen. Amen. Et l'abomination était quoi là-bas? Et tout ça, une mosquée. Amen. Et quel est le dieu des musulmans? L'argent. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Oh, c'est la vérité, frère. Amen. 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 Écoutez ce que dit Frère Bernard. Israël est dans sa patrie. Il n'y a pas longtemps là-bas dans l'ouest, je tenais une réunion. Je suis rentré à la maison pour dîner avec un vieux rancheur, quelqu'un qui avait des ranches, des grandes fermes et tout ça. Oh, alors que certains membres de sa famille avaient été guéris, il me fit remettre un chèque là-bas qui m'aurait acheté 45 tabernacles comme celui-ci. William Branham, hein? Vous êtes avec moi? Amen. Les gens ont été guéris de ces grands riches. Et il a amené un chèque, et ce chèque, Frère Branham dit, 45 tabernacles comme le Branham tabernacle. Il pouvait acheter avec ça. Si je l'avais voulu, j'ai dit, je ne veux pas de votre argent. Amen. Au revoir, mon frère était avec moi. Il dit, Bill. Le ministère de William Branham est l'argent. Au revoir, mon frère était avec moi. Il dit, Bill, pourquoi n'as-tu pas accepté ce chèque? J'ai dit, je ne fais pas de son argent. Laissez-moi vivre jour après jour. Ce n'est pas l'argent que je cherche. Je suis un de ceux qui veulent servir le Seigneur Jésus. Amen. Il se tenait là quand cette femme avait été guérie là-bas. Amen. Les Milikias, en Californie. Vous l'avez vu ici dans le journal de Louisville. Lorsqu'ils vinrent ici, deux de ses agents apportèrent $1,500,000. Amen. $1,500,000 en 1953. $1,000,000 aujourd'hui, c'est 600 millions de francs CFA. Amen. 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 600 millions. Ils apportaient la William Branham. Et les gens disent, Branham, c'est un homme comme moi. Amen. Amen. Toi, tu es en train de vendre les toits de Nice et tout ça. Vraiment. Pour 1,000,000. Pour donner le mariage à une sœur. Tu trouves déjà que tu as beaucoup. Amen. Amen. Il se tenait là. Lorsqu'il vint. Il dit ceci. Lorsqu'ils vinrent ici, deux de ces gens apportèrent $1,500,000 et me les offrirent quand j'habitais dans cette cabane de deux pièces. C'est fort. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Il habitait dans une cabane de deux pièces.
on lui amène 1 500 000. Frère, nous devons respecter Frère Branham. Amen. N'est-ce pas? Amen. 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 Mais il faut Dieu dans les cœurs. Amen. Et me les offrir. Quand j'habitais dans cette cabane de deux pièces, j'ai dit, je ne veux même pas les regarder. Amen. Non, monsieur, non, monsieur. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Amen. Hein? Alléluia. Branham nous dit que la traduction est mauvaise. Non. Il confirme. Amen. 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 Et si un prédicateur, un petit prédicateur, amen. 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 Un païen prédicateur. Amen. 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 Ose changer la Bible. Amen. Et la Bible dit si quelqu'un ajoute quelque chose, amen, ou retranche quelque chose, amen, je retrancherai sa part. Amen. 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 Mais ça, c'est des gens qui sont en train d'aller en enfer. Amen. 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 Il dit aux frères, si vous ne faites pas de l'argent, bien mes frères, vous ne vivez pas votre millénium. Oh, le millénium, c'est ici. Oh, amen. Oh, et même l'enlèvement, laquelle enlèvement que vous attendez, frère? L'écriture dit que de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre est laissée. Mais cela signifie quoi? Les gens sont en train de... Mais il faut un docteur pour vous expliquer ça. Il faut un docteur. Vous savez, les deux personnes qui seront dans ce même lit, c'est-à-dire quoi? Ce ne sont pas deux personnes qui sont dans les lits comme ça. Hein, bien mes frères, ce ne sont pas deux personnes comme ça. Vous savez, c'est quoi et tout ça? C'est le corps et l'âme. Hein? Le docteur dit que bon. Vraiment. C'est la honte. Hein? Amen. Amen. De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. William Branham dit, amen, il s'agit de couples qui sont dans un même lit. Amen. Soit l'homme a cru, amen, et la femme n'a pas cru. Amen. On prend l'homme, amen, on laisse la femme, amen, ou on prend la femme, amen, on laisse l'homme. Amen. Et de deux femmes qui mourront, l'une sera prise, amen, et l'autre laissée. Ce n'est pas l'âme mais le corps. Amen. Non, monsieur. Amen. Ça, c'est la philosophie. Amen. 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 Et il se proclame docteur. Amen. C'est malheureux, frère. Amen. 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 Vous savez bien, mes frères, il ne faut pas déformer ce que Branham a déjà dit. Amen. 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 Vous savez que alléluia, dans tous les pays ici, les Gabon, on peut seulement enlever 100 personnes. Amen. 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 Il y a des assemblées où et tout ça, personne ne sera enlevé. Yes. Ni les pasteurs, ni les croyants. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. 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 Frère, on dit qu'ils seront trépés. Amen. Et le vrai ministère, on ne trouve pas ça partout, partout. Amen. Vous allez faire mentir la Bible. La moisson est mise. Amen. Amen. Et il y a beaucoup d'ouvriers. Non. Il y a oui. Amen. 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 Priez le maître de la moisson. Amen. 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 Non pas de docteur que elle-même se bat. Le maître de la moisson. Amen. C'est celui qui envoie. Amen. 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 Et William Branham dit qu'un vrai prédicateur n'ira jamais sur le champ de mission pour l'argent. Amen. Yes. Amen. Amen. Il dit qu'Abraham, le type de prédicateur, lorsque Lot, son neveu, a été pris par les rois qui ont attaqué Sodome et Gomorrhe, Abraham a pris ses serviteurs. Amen. Il est allé combattre. Et Abraham a remporté la victoire. Et de retour et tout ça, le roi de Sodome vient l'embrasser. Parce qu'il était déjà détourné. Il avait fui. Amen. Il vient dire, oh, Père Abraham et tout ça, avec beaucoup d'argent. Père Abraham, prends le pétrole, prends l'or, manganèse, tu as bien fait. Il dit, non monsieur, donne-moi seulement mes gens. Alléluia. Il dit, le principe d'un chrétien, c'est de prendre les hommes, les amener à Christ. Amen. Pas l'argent. Amen. 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 Et c'est le même prédicateur
qui a donné une facture de 200 000 francs à une sœur qui était malade, des rhumatismes et tout ça. La sœur là m'en a parlé, l'a confirmé. J'étais seulement le nom du prédicateur, mais vous pouvez le connaître aussi. Amen. 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 Mes frères, il faut avoir un caractère. Amen. Amen. Chaque chose que nous faisons, nous devons prier. Amen. 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 Moi, je prie pour toutes choses. Amen. Quand les gens insistaient, viens, révérend, viens, je suis allé prier et tout ça, le Seigneur m'a donné Zacharie 11. Amen. Et vous avez remarqué ce que Zacharie 11 dit. Amen. Des pasteurs des néants. Amen. 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 Des pasteurs qui profitent sur la grâce des brebis, yes, pour s'enrichir. Amen. Et c'est la vérité. Ils ont pesé 30 pièces et tout ça. Qui? Judas Iscariote. Vendre Jésus-Christ. Amen. 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 Les pauvres n'iront pas au ciel. Depuis que vous avez commencé, tout ça, vous êtes dans les mapanes, les mapanes. Quand on doit descendre avec les cercueils et tout ça, les gens sont en train de tomber et tout ça. Oh, demandez à Dieu de vous amener loin, quitter ces choses. Ça, c'est quel évangile, ça? Ça, c'est un prédicateur? Non. Ça, c'est un démon qui sort de l'enfer? Amen. C'est pas quelle dimension? Amen. Et je l'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Et le Seigneur sait que c'est la vérité. Amen. Un tel prédicateur est démoniaque. Amen. 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 C'est clair. La Bible dit et tout. Lorsque Jésus a parlé, il y allait dire à Jean-Baptiste, les boiteux marchent, les aveugles voient, amen, les sourds entendent. Amen. Amen. Et l'évangile est prêché à qui? Aux pauvres. Aux pauvres. Amen. 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 Les riches n'ont jamais accepté l'évangile. Amen. Depuis les âges de l'Église, amen, l'évangile a toujours été prêché aux pauvres. Amen. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Aucun prédicateur dans la Bible n'est allé vanter l'argent qu'il a. Amen. Par contre, lorsque Pierre est arrivé avec les clés du royaume, on lui a dit, ne peux-tu pas me donner quelques céphales? Il dit, je ne suis pas un millionnaire. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai que le temps. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et Frère Branham dit, c'est ce que je vais avoir. Miracle, il y a un prédicateur rétrograde. On dit c'était Simon le magicien, un homme de gris-gris, un prédicateur aussi. Il dit, Pierre, est-ce que je peux pas te donner un peu d'argent pour que tu me donnes le talisman du Nigeria? Amen. Pierre lui dit, maudit avec ton argent. Quand tu crois que le don de Dieu peut se revoir par l'argent, sois maudit. Amen. 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 Et William Branham dit, oh là là, lui, Jésus, il n'avait pas de pirogue. Amen. 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 Il dit, lorsqu'il fallait prêcher et tout ça, il a emprunté la pirogue. Amen. Lui, le maître. Amen. Et lorsque les disciples le suivirent, maître, je voudrais te suivre et voir là où tu es. Amen. Il lui a dit, les renards ont des tanières. Amen. Même les oiseaux ont des nids. Amen. Mais le fils de l'homme n'a rien. Amen. Ne crois pas que je suis un millionnaire. Amen. L'argent ne me dit rien. Amen. Je suis comme William Branham. Amen. 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 Frère, c'est le même esprit qui doit refléter le prédicateur. Amen. Amen. Et quand les gens se vantent même qu'ils ont même de l'argent, frère. Amen. Ça me fait rire. Vraiment. Vous avez quoi? Amen. Je vais acheter un avion et tout ça. Mais il y a combien d'avions dans le monde? Ça vous pose des questions? Amen. Il y a combien d'avions dans le monde? Il y a des gens qui fabriquent les avions et tout ça. Hein? Mm. Comme les femmes qui fabriquent les gâteaux. Amen. Oui. C'est pour lui. Amen. 2000 avions et tout. Amen. Mais vous ne verrez pas cet homme-là venir pour se vanter et dire, moi je suis le plus riche. Hein? Même les politiciens jugeront les prédicateurs. Amen. Ils ont beaucoup de gens. On leur a dit, venez déclarer de l'argent. Ils disent, nous n'avons rien. Amen. 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 Ils
sont plus spirituels que les prédicateurs rétrogrades. Amen. 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 Toutefois, c'est la vérité. Amen. Frère Branham dit ici dans le message. Amen. Amen. Il dit ceci. Ah, ça c'est une bonne citation. Il parle de Smith. J'ai dit, regardez donc vers le haut par ici. Combien possédez-vous de ce côté? Il faut qu'on aille un peu plus loin. Voilà. Non, monsieur, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tenez-vous éloigné de ces choses-là. C'est rachet, sortez de là. Il dit, révérend Branham. J'ai dit, oui, monsieur. Il dit, vous voyez ces montagnes là-bas? J'ai dit, oui, monsieur. À quelle distance pensez-vous qu'elles soient d'ici? J'ai dit, je ne sais pas. Il dit, elles sont à 130 kilomètres. Amen. 130 kilomètres, comme Libreville vers toute l'Ambarénée. Hein? Quelque chose comme ça. Il dit, elles sont à 130 kilomètres. Il dit, je possède toute cette étendue. Et encore bien au-delà. Ce sont mes pâturages. J'ai dit, oh là là, c'est merveilleux. Amen. Il dit, je regarde ici en bas. Voyez-vous cette ville? Il dit, la banque de cette ville m'appartient. Je possède tout ce terrain aux alentours là. Et je possède ce terrain ici. Oh, tout ce qu'il possédait. Bien installé dans sa petite voiture familiale. Je l'ai regardé, un homme très gentil. Je posais ma main sur son épaule. J'ai dit, mon frère, je voudrais vous poser une question. Amen. À vous. Amen. Il dit, très bien. Amen. 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 J'ai dit, regardez vers le haut. Amen. 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 Combien possédez-vous de ce côté-là? Amen. Voyez-vous? Amen. 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 Il dit, frère Branham, j'ai bien peur que je n'y possède rien. J'ai dit, c'est là que résident mes trésors maintenant. Pourquoi devrais-je me soucier d'une tente, d'une chaumière louée? Ils construisent un palais pour moi là-haut. Amen. Des rubis, des diamants, tout en or, en argent. Ces coffres sont pleins. Amen. D'indicibles joyaux. Oui, monsieur. C'est là que se trouvent les richesses. Là-haut. Et là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Amen. Amen. Là où se trouve votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur. Amen. 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 Si j'avais des usines en Chine, mon cœur serait en Chine. Amen. Pas à Libreville. Amen. Je ferais peut-être un mois ici à Libreville ou trois semaines. Et je passerai deux ans en Chine. Amen. Ou en Afrique du Sud. Parce que c'est là où se trouvent mes trésors. Amen. Mais Branham dit, moi j'en ai là-bas. Amen. 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 Mes frères, le ciel est une réalité. Amen. Ne suivez pas les rétrogrades. Amen. Si vous mourrez, si vous comprendrez Amen. Que le ciel est un pays réel. Amen. Que la nouvelle Jérusalem Amen. Est un pays réel. Amen. Chacun de nous a un palais. Amen. Si c'est ça le millénium, que nous sommes dans le millénium et que tout est fini, je laisse l'évangile. Amen. C'est pas un bon millénium pour moi. Amen. 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 Parce que le courant se coupe chez moi. Amen. Et ça, c'est... Amen. Même l'eau. Amen. Amen. On me donne ça 4 heures et tout ça, après c'est fini, il faut prendre les seaux et tout ça. Je ne fais pas un millénium comme ça, je souffre. Amen. 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 Et pourtant, le millénium, c'est une récompense Amen. Que Vraiment. Jésus vient donner à un temps. Amen. 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 Qui a été rétabli. Amen. C'est une période de 1000 ans. Amen. 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 Mais ces gens-là, je vous dis que ce sont des fous. Amen. 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 C'est une démence spirituelle. Amen. J'ai dit à un autre, mais Branham dit qu'avant le millénium, Amen. La terre doit brûler et nous marcherons sur la cendre des méchants. Lui dit, la terre a déjà brûlé, frère. Et il dit, tu marches sur la cendre des méchants. Il dit, oui.
place de quelqu'un d'autre. Amen. 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 Et le frère qui me parlait comme ça, c'était un ex-taximan. Amen. Je lui ai dit, tu as laissé ton métier. Amen. 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 Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Voilà, tu t'embrouilles. Amen. Amen. La cendre des méchants. William Branham dit, amen, la bombe atomique. Amen. 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 Pas spirituelle. Amen. La bombe atomique est spirituelle. Mais pourquoi vous combattez les témoins de Jéhovah? Vous avez la même doctrine? Oui. Amen. Oui. Vous savez ce que les témoins de Jéhovah disent et tout ça? Il dit, dans les millénium, les belles maisons là et tout ça, c'est que moi je vais faire. Amen. Bon, je suis très bien, c'est pour moi et tout ça. Amen. Amen. Il dit, toi tu es qui et tout ça? Il dit, je suis parmi les 144 000. Donc c'est vous qui allez hériter tout ça. Et Branham a dit que l'évangile des témoins de Jéhovah vient tout droit de la paix. Et celui qui dit qu'il est dans le millénium, mais ça n'est terminé, ça vient d'où? Tout droit de la paix. Amen. 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 Tout droit de la paix. C'est pénible, frère. Vraiment. Ça commence à faire même peur et tout ça. Amen. Même des gens et tout ça qui ont été éclairés. Amen. Amen. Des gens qui étaient ici avec moi, qui on a enseigné. Et tout ça sont des fumées, des hiboux. Amen. Amen. Vous savez quel est ce mystère, frère? Oh, amen. L'éloignement du feu. Amen. 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 Sœur, vous connaissez comment vous allumez le feu, avec les bois. Amen. Amen. Vous prenez les bois et tout ça, vous mettez ensemble. Quand les bois sont ensemble et tout ça et tout. Amen. Et lorsque vous voyez qu'il y a un bois qui est en train de s'éloigner et tout ça, il commence à faire quoi? Et qu'est-ce que vous faites? Vous l'amenez vers les autres. Amen. Yeah. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça, frère, le problème. Amen. Amen. Et les gens parlent. Après, les gens de Bethléem, ils n'aiment pas la communion fraternelle et tout ça. La communion fraternelle. Autour du quoi? Amen. Autour d'un vide. Amen. 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 Si vous voulez communier avec nous, finis. Amen. Ici au moins il y a la parole. Amen. Pourquoi on ne vous voit pas ici? Amen. 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 Moi je ne sais pas, je parlais avec Frère Franck, j'ai dit, j'ai prié le Seigneur quand j'ai vu ce prédicateur. Il dit, Seigneur, je ne veux pas être comme. Yes. Amen. Amen. Si un jour je deviens comme ça, Seigneur, enlève-moi de la terre. Amen. C'est lui du qui. Amen. 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 Un prédicateur qui prêche. Et vous savez bien, mes frères, qu'il y a la seconde venue, il y a la deuxième venue. Mais je vous laisse entendre. La seconde venue et la deuxième venue, c'est différent. La seconde venue, il vient comme un voleur. La deuxième venue, vous voyez. Quand un voleur vient et tout ça, est-ce qu'il avertit les gens? Bon, quand il vient comme un voleur, c'est la seconde venue ou la deuxième venue? L'église est en train de regarder et tout ça. Parce que l'église, elle comprend même. Amen. Amen. Et lui, quand il regarde l'église, vous êtes python dans la parole. Mais le vrai python est la chair. Les équations, tout ça et tout, comment les élèves vont faire? Vraiment. Amen. Amen. Tout ça. Et je suis docteur et tout ça, tout ça. Deuxième venue, seconde venue, c'est quoi ça? Amen. Amen. Vous savez, c'est malheureux, hein? Mais tu trouves, il y a des gens qui sont là-bas et tout ça, qui crient. Qui prennent même l'argent, ils s'élèvent avec l'argent et tout ça pour aller mettre dans la corbeille des pratiques dénominationnelles. Amen. 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 Une fois même un frère voulait faire ça ici, j'ai réprimandé ça. Amen. 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 Je suis la sentinelle. Amen. Un frère est en train de chanter tout ça, quelqu'un sont avec un c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Nous sommes Amen. Ici. Amen. Vous avez fait de ma maison. Amen. Amen. Une caverne de voleurs? Vraiment! C'est ça, non? Ah, parce que c'est qu'un qui commence comme ça et tout ça, il vient, un autre va être là aussi. Il amène tout ça. On rentre là dans des histoires et tout. Ça, c'est quoi? Vraiment! Amen! Amen.
Un autre prédicateur est en train de prêcher, tout ça. Les sœurs quittent là-bas, ils viennent tout ça, avec le mouchoir, avec les linges. Oh, alléluia. Oh, il dit, on a essuyé aussi les pieds de Jésus. Rétrograde. Amen. 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 Mais le diable, bien aimé frère, quand il est moins prédicateur, il te rend ridicule. Amen. 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 C'est pour ça qu'il est mieux de rester avec ce que frère Branham a dit. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Écoutez, frère Branham dit ici, dans oh non, j'ai terminé d'abord l'histoire de Smith. Un jour, on prélevait une offrande d'amour pour Gypsy Smith. Et lorsque tout le monde se dirigea vers le fond du bâtiment pour sortir ce soir-là, il y avait une pauvre petite fille. Une pauvre petite fille en haillons, se tenant là. Elle était toute. Ses vêtements qu'elle portait étaient tout déchirés. Elle avait quelque chose. Elle dit qu'elle voulait voir M. Smith. Ainsi, Gypsy Smith dit, « Que veux-tu, ma chérie ?» Elle dit, « M. Smith, je n'avais pas d'argent à vous donner. » Mais il y a à peu près un mois, c'était Noël, et quelqu'un m'a donné une sucette. Et je vous aime tellement, Monsieur Smith. Elle dit, mon papa a été sauvé. Il n'est plus un ivrogne maintenant. J'ai pensé vous apporter ce sucre d'orge. Monsieur Smith le prit dans sa main, des larmes coulaient le long de ses joues. Il lui tapota la main, il lui dit, chérie, dans mon offrande ce soir, alléluia, il y a bien eu des milliers de dollars en chèque, mais ceci est le plus grand don. Amen. De tout ce que j'ai. Amen. 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 Avec une sucette. Oui. Amen. Amen. Monsieur Smith dit que c'est le plus grand don. Amen. Mais si c'était le prédicateur d'ici. Amen. 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 Il allait même réprimander la petite fille. Amen. Parce que Dieu n'aime pas les bruits. Avec des petites pièces, crac, 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 crac. Amen. Dieu n'aime pas les bruits. Dans le message, apportez à partir de 5 000, 10 000. Amen. Dieu aime ça. Amen. Il aime le silence. Le silence du 7e son. Vraiment. Hein? L'antichrist avec une balance. Amen. 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 Une mesure de blé pour un denier. Amen. Oh, mais qu'est-ce qui m'amènerait à faire une telle chose? Amen. C'est ridicule. Amen. Et c'est gênant. Amen. Amen. D'abord, la nature d'un homme, bien aimé frère, plein du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais des fois, même quand il souffre, il se gêne même pour demander. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. 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 C'est très difficile. Amen. 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 Moi, j'ai du mal à demander même de l'argent chez un frère. Amen. Mon frère, donne-moi l'argent. C'est Amen. Très difficile. Amen. Même si vous en avez. Amen. 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 Je connais ces choses-là. Que des fois, ça peut tuer le ministère. Amen. N'est-ce pas, frère? Amen. On compte sur Dieu. Amen. Amen. Frère, on dit que si Dieu t'envoie, Dieu prendra soin de toi. Amen. Amen. Mais si la dénomination t'envoie, amen, que la dénomination prenne soin de toi. Amen. 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 Frère Branham dit que Oral Robert ne peut pas se déplacer pour aller visiter une église, si c'est une église qu'il a appelée. Parce que ses charges sont énormes. Il dépense 7000 dollars par jour. Amen. Oral Robert. 3 500 000 francs CFA par jour. Voilà. Il dit, lorsqu'on l'invite quelque part dans une église, il dit, ce n'est pas possible, il faut que toutes les églises coopèrent ensemble. Que vous soyez nombreux afin de couvrir mes charges. Frère Branham dit, je ne le ferai pas. Amen. J'irai là où le Seigneur m'envoie, peu importe le nombre de croyants. Amen. 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 Aujourd'hui, le prédicateur cherche à avoir plusieurs églises. Amen. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Amen. Amen. Amen.
Église à la Marénée, Église à Kango, Église à ceci, Église à ça. Et on donne même les noms de ces, toutes ces églises-là et tout ça. Hein? Confédération de ceci, tout ça. Et tout. Et mes frères, mes bien-aimés frères, fuyez la mort. Amen. 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 Si vous avez confiance en moi, moi je vous dis la vérité. Amen. Amen. On n'est pas là pour s'enrichir. Il faut la nouvelle naissance. Amen. Et quand vous allez dans ces églises des docteurs, amen, les docteurs ne sanctifient rien. Amen. 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 Les sœurs sont comme des païens, maquillés. Amen. Amen. Moi j'ai un frère ici, il s'était marié au PK5. On a béni son mariage. Et après la femme l'a quitté. Et il était dans mon église. Il est venu me voir et lui passer son terrain. Vraiment, je souffre, je ne peux pas rester comme ça. Je dois me marier. J'ai dit frère, je ne peux pas te marier. Amen. 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 Un bon frère. Et il m'aimait beaucoup. Il venait, non, parce que vous voyez tout ça, demande à Serge, je dis, frère, tu ne te remaries pas. Amen. Va chercher la sœur. Amen. Tu peux te réconcilier avec elle. Amen. Il m'a quitté, il est allé dans une assemblée d'un docteur. Quand il est arrivé, depuis un mois et tout ça, le docteur. Là, ils ont béni tout ça. Une légèreté grave dans les ministères. Amen. Amen. Le mal, nous devons le dénoncer. Amen. Savez-vous cela, non? Amen. Le mal doit être dénoncé. Amen. 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 Et quiconque sent que la parole est très forte ici, oui. Amen. Amen. Il cherche une assemblée, amen. Amen. Là où on récupère les déchets. C'est ça. Le Bethléem Tabernacle. Amen. 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 Et on est content. Amen. Tu es venu de là et tout ce qui nous. Entre. Amen. 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 La vie éternelle, on ne joue pas avec. Amen. Dans le message, le péché impardonnable, frère Bernard me dit, par exemple, 102. J'ai connu la dépression. J'ai connu la prospérité. J'ai vu tout cela. Mais je ne laisserai pas tomber la main de Jésus-Christ pour tout l'argent, les richesses et tout le reste que vous pourriez empiler à la surface de cette terre. Il est mon ami quand je suis sans les sous. Amen. Il est mon ami quand j'en ai beaucoup. Amen. Je l'aime quand je suis heureux. Amen. Je l'aime parce que je l'aime. Amen. Parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. Amen. Quand j'ai beaucoup d'argent, il est mon ami. Amen. Quand je n'ai rien, il est mon ami. Amen. Quand je suis en bonne santé, il est mon ami. Amen. Quand je suis malade, il est mon ami. Amen. Quand je suis en vie, il est mon ami. Amen. Quand je meurs, il reste mon ami. Amen. 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 Un ami fidèle. Amen. 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 Et vous savez, frère Branham est en train de parler ici d'un monsieur qui était apparemment pauvre. Amen. Mais qui avait une bonne femme. Il avait deux enfants ou trois enfants en bonne santé, mais il n'avait pas l'argent. Et frère Branham parlait avec lui. Le monsieur a dit, frère Branham, vraiment, je suis malheureux. Je passe des moments très difficiles. Frère Branham lui a dit, ça c'est ta femme? Depuis que vous êtes marié, non, c'est ma femme, elle est avec moi. Ce sont tes enfants. Frère Branham dit, mon ami, tu ne connais pas une chose. Tu es un millionnaire. Amen. Il dit, frère Branham, comment vous dites ça? Il dit, tu es un millionnaire. Il dit, mon cher ami, regarde comment tes enfants sont en bonne santé. Amen. Regarde comment tu as une belle femme. Amen. Une femme qui reste à la maison. Amen. Qui garde les enfants. Amen. Regarde toi-même comment tu es vigoureux. Mon ami, laisse-moi te dire,
qu'il existe des milliardaires aujourd'hui. Amen. Avec des enfants épileptiques qui donneront tous les millions pour que son enfant soit comme ton enfant. Qui est un millionnaire. Amen. Il dit, n'as-tu pas suivi et tout ça? Que j'ai oublié son nom, peut-être je l'ai trouvé et tout ça. Un grand riche et tout, il avait des problèmes, il était malade de l'estomac, il ne pouvait même pas manger. Il a dit, je suis prêt à offrir 1 million de francs pour que je mange un plat. Hein, frère? Amen. 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 Il dit, tu es un millionnaire. Si tu es avec Dieu, tu es entre les mains de Dieu, tu es l'homme le plus aimé. Amen. Tu es l'homme le plus aimé. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand papa est parti d'ici et tout ça, il était avec nous. Lorsqu'il est retourné chez nous. Comme il y a des problèmes dans sa famille, et les gens sont contre lui, les gens sont allés voir les féticheurs pour tuer papa. Ils sont allés, tout ça, les féticheurs, ils ont envoyé le truc à la maison. Papa m'a appelé, un truc vient tomber, tout ça comme un avion. Boum! Papa voulait sortir, il est tombé, tout ça. On m'a appelé, tout ça, l'urgence. J'ai parlé avec lui, tout ça. Papa, voilà ce que je vois, il y a des gens et tout ça, ils veulent me tuer. Et tout. J'ai dit, mais papa, personne ne peut te tuer. Amen. 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 Les attaques peuvent venir, mais ils ne peuvent pas t'atteindre. Amen. 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 Et j'ai commencé à prier pour papa. Je l'ai appelé il y a cela 4 jours. Les personnes qui sont allées faire ces choses-là sont venues pour dire nous voulons venir pour aller demander pardon. Amen. 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 Les sorciers. Amen. 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 Qui est un sorcier? Le sorcier est un païen. Amen. Est-ce vrai? Amen. Le sorcier est un païen. Moi j'avais vu des attaques, frère. Amen. Même quand j'étais au PK5, il y a beaucoup de choses que moi j'ai vues. Amen. Il y a des frères et tout ça qui étaient, je ne sais pas avec elles si elles sont là et tout, mais quand j'étais là-bas et tout ça, il y a des frères qui étaient des sorciers. Amen. Dans cette église-là. Amen. Parce qu'ils sont venus me confesser. Amen. Ils m'ont dit ça. Je crois que quand il est venu me voir, peut-être qu'il m'avait essayé plusieurs fois. Il a remarqué que chaque fois quand j'ai préparé le message après cela, je vois un grand serpent qui me suivait, tout ça et tout. Parce que c'était vraiment une vraie dénomination. Hein. Amen. 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 Quand vous voyez l'église, tout ça, vous devez savoir que la sorcellerie est à la fin. Ça ne manque pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un esprit en toi. Amen. Et comme cet esprit-là est contraire à la parole, c'est un démon. Amen. J'ai prié le Saint-Seigneur. Quand est-il dit ce serpent? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, j'ai prié pendant longtemps. Je viens dormir et tout ça. Je vois encore le serpent venir et tout. J'ai pris quelque chose comme ça, comme une machette. Tiens, je vois comment le serpent se coupe en terre. Je me suis réveillé, j'ai dit merci Seigneur. Amen. Je viens de les vaincre. Amen. C'est la dernière fois que j'ai vu ça. Amen. Après la réunion, j'ai vu un frère. Bien-aimé. Est-ce que vous pouvez venir chez moi à la maison? C'est pour faire quoi? Il dit non, j'ai une machette quelque part. J'ai planté et tout ça. Le prédicateur n'arrive pas à enlever ça derrière. Mais vous pouvez tout ça. J'ai dit quel genre de machette? Amen. Un frère. Amen. Amen. Et je suis parti. Je lui explique comment la machette là est aussi. C'était ici. Ici. J'ai dit, tu as déjà dit, tu veux qu'on fasse quoi? Et tout ça. Dis-moi à quoi sert la machette? Amen. Il dit, mais frère, il faut déterrer ça, je vais vous expliquer. J'ai dit, bon, creusez ici et tout. On a creusé. Rien. Il dit, est-ce que c'est pas de ce côté du frère? Ne me balade pas, il dit, non. Je suis pas venu ici. Dis, tout ça, cette machette sert à quoi? Amen.
Aujourd'hui, il y a des prédicateurs, il a la Bible et tout ça, mais c'est un sorcier. Amen. 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 Il y en a d'autres, ils sont même dans des loges. Amen. Amen. Et vous allez voir tout ça. Le Seigneur est vivant et tout ça. Il cache la sorcellerie sous la Bible. Amen. C'est pour ça qu'il faut discerner l'esprit. Amen. Et quand j'ai appelé papa, papa m'a dit, oh, papa, tous ces événements, les phénomènes, tout ce que j'ai ressenti là, c'est terminé maintenant. Amen. Vraiment, on a remporté la guerre. Amen. Je lui ai dit, mais papa, je t'ai donné des passages de la Bible pour te fortifier. Amen. 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 Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. C'est pour moi, c'est pour vous. Amen. Pour chaque chrétien. Amen. Amen. Si tu écoutes les ordonnances que je t'ai prescrites, tu les mets en pratique. Amen. Moi, je serai l'adversaire de tes adversaires, l'ennemi de tes ennemis. Si Dieu est l'ennemi de tes ennemis, mais tu t'en en paix. Amen. Mais lorsque le roi d'Israël, amen, reçoit les menaces de Sennacherib. Sennacherib, roi de la Syrie ou d'un pays, tout ça, je ne sais pas encore, qui avait envoyé tout ça au roi d'Israël, que ça allait terminer parce qu'il avait une grande armée. Amen. Il dit, je vais venir te détruire. Et Sennacherib lui dit, et tout ça, que tu te confies même à l'Éternel. Qui t'a dit qu'il y a un Dieu qui paie contre moi, Sennacherib? N'as-tu pas appris que j'ai fait ça aux autres, et tout ça, c'est toi qui résisteras? Amen. Et le roi d'Israël est allé prier. Eh, Seigneur, Sennacherib a dit ça. Sennacherib. Et Dieu a envoyé le prophète et tout ça. Amen. Le prophète. Ainsi parle l'Éternel. Qui est Sennacherib? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, tu iras et tu les battras. Amen. Avec toute son armée. Amen. Oh frère. Et soyons du côté de Dieu. Amen. De Dieu sont des vainqueurs. Amen. 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 Prenez les jeunes de David. Amen. Avec les grands Goliath. Amen. Goliath avec l'orgueil et tout ça. Je suis un millionnaire et je suis ceci. Amen. 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 Et David dit pour lui que moi je suis un berger. Amen. Je n'ai rien. Amen. Je ne pars pas à Dubaï. Amen. Ni en Chine. Amen. 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 Quand les gens sont venus et tout ça, c'est pas possible. Ses grands frères, les démons. Ouais. Amen. Amen. Ils sont venus rapidement, les démons, la chaleur et tout ça. Qu'est-ce que tu dis, David et tout ça? Dis-moi, je suis en train de parler pour la guerre. Non. Tu nous as déjà donné la nourriture. Toi, tu es au pays, tout ça. Toi, retourne à la maison, ta vie. Amen. Quelqu'un a appelé. Mon petit, qu'est-ce que tu dis et tout ça? Il dit non. Les Philistins là et tout ça, je peux les battre très facilement. Et tu es sûr? Je suis très sûr. Oh! La nouvelle est arrivée chez Saoul. Amen. Saoul dit qu'on amène ici et tout ça. Quand il arrive, de qui es-tu fils? Et tout ça. Qu'est-ce que ça voit? Amen. Tu as besoin de quelqu'un pour aller combattre. C'est ça. Amen. Amen. Non, 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 je suis le fils d'Isaïe et tout ça. Il dit, mais jeune homme, dis-moi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, non, les Philistins là, c'est rien. Je peux les battre et tout ça. Comment tu peux les faire? Il dit, non, tu sais, je suis un habitué de tuer les animaux. J'ai tué un ours. Alléluia. Avec une lance seulement. Amen. J'ai déchiré un lion. Amen. Je l'ai attrapé et tout. Amen. Amen. Et maintenant, je veux vaincre la bête. Amen. La bête que tu vois là. La parole fait fortifier. Hein. Saoul a entendu les expériences de ces petits et tout ça. Donc il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il est mon petit fils là. Amen. Mais comment tu n'as même pas la tenue et tout ça. Il dit non, je n'ai pas de tenue. Je te donne ma tenue. Ta
vie d'un petit. Hein. Saoul, l'homme le plus géré à l'Israël. Amen. Il va prendre ses bottes et tout ça, et puis il donne la vie du ciel. Amen. 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 Alors, mais ça, s'il ne met pas, les mains sont juste là. Les pantalons descendent. Amen. Il regarde tout. Il a la forme d'un Michelin. Amen. Le gars regarde tout ça. Il dit, oh roi. Amen. Oh roi. Quand j'ai tué l'ours et le lion, je n'avais pas ces choses. Oh roi, débarrasse-moi de cette religion. C'est pour ça que je suis contre les religions organisées. Amen. Parce que cela me déforme. Amen. 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 Voyez-vous, frère? Avec le message, frère, amen, nous allons vaincre le monde. Amen. Nous allons vaincre la Odyssée. Amen. Si vous écoutez ce message, même si vous êtes expert en convoitise, amen, ça va partir. Amen. Amen. Ça va partir. Frère Branham dit que la seule chose, c'est rester devant le soleil. Amen. Le soleil a le pouvoir. Amen. Remarquez ici, frère. Amen. Amen. Oh là là, on a même dépassé l'heure, c'est pas grave aussi. Amen. Nous sommes vers la fin de l'année. Amen. Amen. Quand on dépasse l'heure, amen. Amen. Et que nous sommes dans une autre dimension, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que la vie et tout ça? Amen. Amen. La voix lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je t'ai déjà montré tout ce qu'il faut et tout ça. Après cela, j'ai entendu une voix qui disait, oh, si, si, si. Là, il est monté. Amen. 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 Quand nous montons et tout ça, on oublie le temps. C'est ça. Amen. 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 Quand on est sur la terre, on tourne, il n'y a rien de bon et tout ça. On commence à regarder. Il va finir quand c'est là, il te rend. Il y a des prédicateurs comme ça qui rendent le croyant nerveux. Tu vas voir les gens, il va finir le croyant. D'autres. Et lui dit, réveillez-vous, réveillez-vous. Mais comment tu réveilles les gens? Alors que c'est toi qui les fais dormir. Amen. Parce que frère, on me dit que les prédicateurs, ce sont des médecins. Amen. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas médecins. Amen. Et vous connaissez ce qu'ils sont. Amen. Les anesthésistes. Et l'anesthésie a un rôle. Amen. 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 Je vais terminer par une citation ici. Frère Manon dit dans le message, oh, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas vues, frère. On verra ça vendredi ou dimanche. Hein. Amen. On verra tout ça. Amen. Amen. Il faut qu'on en parle sérieusement. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de saillants en ces derniers jours. Il a dit de prêcher la chair. Et ça lui a vendu les doigts de l'Est, hein, sur les bras de lentilles et tout ça. Et lui, il a vend et tout ça à coup de millions. À coup de millions. Ça, c'est vendre la parole. Amen. 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 Vendre la parole. Ce n'est pas normal. Vous allez maintenant commencer à vendre, baptiser un frère et tout ça. 150 000. Ça commence comme ça. Oui. L'amour de l'argent. On lui fait le baptême que je te donne là. C'est différent. Si tu donnes 150 000, c'est différent. Là, les dénoms, frère. Et moi, je m'amuse à suivre les prédications des dénominationnels. Amen. 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 Parce que si je n'ai rien à faire, et puis j'ai beaucoup médité et tout ça, je vais un peu me détendre. Amen. Je commence à chercher sur l'internet et tout ça. Bishop Tel. Amen. Amen. Et ils ont leur manière de crier. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci pour William Branham. Amen. Alléluia. Amen. Il est dit dans le message,
l'âge de... Voilà. Les sons incertains. Prenons aussi la vie familiale comme incertitude. Je vous l'ai dit, je ne sais pas ce qui est arrivé à la nature de nos femmes. Les divorces partout. C'est épouvantable. Et voyez, quel est le groupe le plus touché? Ce sont des jeunes qui se marient et qui ont deux ou trois enfants. Ou quelque chose comme cela. Puis ils vont se séparer. Partir et se remarier. 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 Amen. Amen. Et leur foyer, j'étais chez des gens vraiment pauvres l'autre soir. L'homme m'a dit, je vais vous dire, je ne sais pas du tout ce que je vais faire pour arriver. J'ai regardé autour de moi, il revenait du travail, il avait une femme loyale, comme tout, et quatre ou cinq petits visages sales qui jouaient dans la pièce. J'ai dit, mais qui est un millionnaire? Et il a dit, oh frère Branham, je ne voudrais pas vous contrarier, mais je n'ai pas un seul sou. Et j'ai dit, mais tu as quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. J'ai dit, tu as une petite femme ici qui ne possède peut-être pas des robes à elle. Et si c'était le cas, c'est ce que quelqu'un lui avait donné. Parce que son mari ne travaillait qu'une journée par ici, par là. Et j'ai dit, regarde, mais elle est d'une loyauté exemplaire. Amen. J'ai dit, il y a plus de millionnaires ce soir qui donneraient tout leur argent qu'ils ont pour trouver à la maison, à leur retour, une femme comme elle. Amen. C'est exact. J'ai dit, sa femme est sortie et avec d'autres hommes quelque part ou dans un bar quelconque, elle jure, chante, filme, court et des choses comme celle-là. Et pourtant, il l'aime. Mais vois ce qu'il a. Toute sa vie est pour cette femme. Et vois sa façon de se conduire. Et vice-versa, c'est pareil. Le temps est maintenant arrivé où tu n'es plus qu'une agglomération de péchés. Une femme restera à la maison pour prendre soin de ses enfants, tandis que son mari sera à l'extérieur, à boire et à se malmener, à courir d'autres femmes. Que donnerait-elle si elle possédait des millions de dollars pour voir son mari devenir véritablement un homme? Il n'y a qu'une seule façon pour que cela se produise. Jésus-Christ est la solution. Amen. Amen. Il n'y a rien d'autre qui puisse jamais suffire. C'est à la fin du temps. C'est Christ et lui seul. J'ai donc dit, combien de pères millionnaires sur cette terre aujourd'hui donneraient tout ce qu'ils ont pour voir leur enfant épileptique être tout aussi en santé que les vôtres ici ce soir? Amen. Voyez? Il a commencé à me regarder droit dans les yeux. J'ai dit, regarde, de l'argent que tu as retiré cet après-midi, tu as dit avoir des viandes froides, des fèves, du pain pour nourrir tes enfants ce soir. J'ai dit, ils ont tous de bons estomacs et peuvent en manger. Amen. Et toi aussi, ton estomac est bon. Vous pouvez manger la viande que tu as achetée. Dis-moi, John Rockefeller, c'est un millionnaire. Amen. Vous connaissez la famille là, aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui. John Rockefeller n'a-t-il pas dit qu'il donnerait sans broncher un million de dollars pour pouvoir manger un plat de choux? Amen. Et j'ai ajouté, tu as dit que tu es prêt de la fenêtre ce matin et que tu sentais la froideur du vent par les fentes. Lui est assis dans un palais quelque part, tu vois? Mais cependant, il pouvait s'asseoir là et manger un plat de choux dans ce vent froid, bouché par du papier. J'ai dit, John Rockefeller aurait donné un million de dollars pour pouvoir manger une fois ce que tu manges quand bon te semble. Amen. 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 Voyez-vous, bien aimés frères, si nous nous trouvons ici et que nous sommes en bonne santé, amen. Amen. Nous sommes des millionnaires. Amen. Est-ce vrai? Amen. 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 Et vous savez que vous avez un avantage terrible, frère.
que même si la maladie vous attaque terriblement et tout ça, amen, amen. Vous avez des frères et des sœurs qui peuvent intercéder pour vous. Amen. Et la santé revient. Amen. 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 Comme notre frère, il avait perdu la mémoire, tout ça parce qu'il perdait la mémoire et puis ça faisait un peu comme la folie. Et ses parents sont allés chercher un ganga. Il est venu, il s'est assis avec les bougies et tout ça. Il a regardé, il dit ça c'est quoi et tout ça. Il dit c'est un féticheur. Il veut discerner pour savoir ta maladie vient d'où et tout ça. Il a dit prends ta bougie, ces choses comme ça. Moi je suis un chrétien. Alléluia. Amen. 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 Et quand on m'en a parlé, il dit c'est la preuve que Jésus est dans l'obligation de faire quelque chose. Amen. Il t'a défendu, Seigneur. Amen. Il a chassé les féticheurs. Amen. Il t'a laissé la place. Correct. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, certes que le temps est passé légèrement, Seigneur, mais cela est passé à ton service et à ton œuvre, Seigneur. Et nous savons, Éternel des armées, que tu nous récompenseras pour cela. Je voudrais, Seigneur, remettre cet auditoire entre tes mains. Ce message a été apporté pour attirer l'attention à tes enfants, afin qu'ils ne puissent pas tomber dans les pièges des hommes qui s'élèvent aujourd'hui, qui se déclarent des docteurs, mais qui n'amènent pas le peuple, Seigneur, à l'autel pour la nouvelle naissance. Amen. Dieu, nous te remercions pour la vision que tu nous as donnée, et moi particulièrement, et le soutien que j'ai de cette église. Amen. Nous te promettons, Seigneur, de rester, Seigneur, avec ce message. Nous voulons honorer ce message. Amen. Et nous ne voulons pas faire des choses, Seigneur, contraires à ce que fait Branham a fait. Amen. Nous savons que tu as créé cet homme. Amen. La colonne des faits l'a confirmé. Amen. Tu l'as fait visiter au-delà du rideau du temps. Amen. Il a vu ceux qui ont cru ce message là-bas. Amen. Ils lui ont dit que c'est sur ce message qu'il s'est reposé là-bas. Amen. Et si nous voulons y aller là-bas, nous devons aussi faire la même chose. Amen. C'est pour cela que je remets cet auditoire entre tes mains. J'ai prié, Seigneur, que tu les remplisses du baptême du Saint-Esprit. Amen. Que tu donnes la nouvelle naissance à tout un chacun. Amen. Éloigne les péchés de nous, Seigneur. Amen. Donne-nous la victoire sur nos ennemis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Notre culte est terminé. Saluez-vous les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.